Les habitués à ce rendez-vous annuel de Novitcha à Grand Popo ont déploré que celle de l'année 2019 n'a pas drainé autant de monde que celui des années précédentes. Mais cela n'a terni en rien l'éclat des manifestations habituelles qui font de Novitcha la plus vieille des retrouvailles au Bénin depuis 1921. Célébrée à chaque Pentecôte, Novitcha se veut une manifestation d'amour et de fraternité entre les Béninois par l'œuvre de l'Esprit Saint et l'évêque de Lokossa n'a pas raté l'occasion de la 98e édition de Novitcha pour adresser ce message aux Béninois. Je voudrais que cette célébration du 98e anniversaire de Novitcha soit pour nous un retour vers le Dieu de vérité. Les petites parcelles d'autorité qu'il nous a données doivent aiguiser le sens de nos responsabilités et nous mettre au service de tous. Nul n'est plus grand que sa terre. Nul n'est plus net, intelligent tout seul. C'est ensemble que nous allons construire ce pays, avec le concours de tous, quel que soit le bord ou la couleur politique ou idéologique. C'est avec le Bénin que nous avons signé un pacte social. Novitcha, c'est aussi et surtout les pique-niques à la plage de Grand Popo. Mais avant que les participants n'entament cette partie très attendue des retrouvailles, ils ont eu droit à ce message du président de Novitcha. Grâce à votre présence renouvelée à nos côtés, en ces moments de retrouvailles fraternelles, culturelles et festives, l'association Novitcha se renforce, s'enracine et se consolide d'année en année. L'association Novitcha est devenue un label, voire un modèle qui suscite la sympathie et surtout est inspiré par tous. Depuis l'année dernière, Novitcha se célèbre en deux volets. Et cette année, c'est à Glangandan, dans la commune de Semekpodi, qui accueille le deuxième volet des manifestations de Novitcha.